What's going on guys, on est de retour. Final Fantasy XII, The Zodiac Age. Alors j'ai eu un truc bizarre. Le jeu avait complètement reset toutes les options. C'est-à-dire que la V5 elle était de retour. La commande c'était B au lieu de A. Enfin voilà. C'était tout le bordel. Mon jeu il était bloqué à 200% speed. Quand je me mettais en 200% c'était 400%. Truc de fou. Donc j'espère peu... En gros j'espère que ça va pas me le faire à chaque fois que je ferme et rouvre le jeu. Parce que c'est super relou. Enfin bref, on avance. On doit rentrer. Now what? Oh, open the gate. Un super chocobo. Wait a second. How can you let these chocobos through the gate and not us? What of it? This here's a pedigreed parader, boy. Cost tens of thousands of gil, this one did. A prettier price than 100 of you provincials would fetch. Keep your distance. We don't want the chocobo sticking a peasant. What'd you say? Step aside. Right then, move them in. Ah là là. Oh. L'oppression. Que c'est beau. That does it. Oh, 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 a fine, fine chocobo you have there. Yes, see the down stock if I'm not mistaken. Change the soil, change the chocobo, am I right? Yes, yes, different style means different bouquet, too. Take a Damascus Moroz wine, eh? It may lack the flavor and depth of some of your Arcadian wines, but it has a certain strength of character. It's not bad, really, once you get used to it. Care for some, sirs? There's more than enough for all to cool their throats, of course. You let these carts through them, the closest gate is ordered. My mail's choked with this scent. Eh oui, acheter les gardes. Like you're lucky that ended where it did. Right. Now's our chance to go through. Ah, je crois que ça va être la grande cinématique. Voilà. Donc bon bah là, on va regarder hein. C'est long. Okay, well. C'est classe mais c'est long. Donc, bah, tout à l'heure! Order. I give you your new consul, His Imperial Highness Lord Vane Solidor, Commandant of the Arcadian Empire's Western Arm. Your Excellency. People of Rabanaster. Is it with hatred you look upon your consul? With hatred you look upon the Empire! Spit on your empire! Strike back to Arcadia! There was little point in asking. But know this. I harbor no idle hopes of frustrating that hatred. Nor shall I ask your fealty. That is the due of your fallen king, and rightly so. King Ramanas loved his people. Strove to bring you peace. His was a rule worthy of your devotion. Even now, he remains among you.
protecting you. His ardor for the peace and weal of Dalmasca falters not. I would ask only that you do your king honor. Together, let us embrace the peace His Majesty would surely desire. 2 years now divide us from war's bitter end. Yet still its shadow looms over all, stifling the infant peace, a pall only you may cast off. Achieve but this one thing, and your hatred of me and of the Empire will grieve me not. I will stand fast. I will endure your hatred, suffer your slings and arrows. I will defend Dalmasca. Here I will pay my debt. I swear it now. Though King Ramanas and Lady Ash be gone, they stand ever at the side of their people. In honoring peace, you do honor to their memory and to Dalmasca. What I ask plain. My hopes now rest with you. Is Rabanaster to your liking, my lord? It is magnificent. Take this cathedral, for instance. Elegant, yet whimsical in its execution. A stunning example of Galtean architecture. I hope Lord Gramus might one day look upon it himself. Oh, remember the last one? We're all like this. The patron of this evening's banquet, may it please your excellency. Begello, your highness. It is truly a profound honor to make the acquaintance of our future emperor, highness. The people of Rabanasta join me in welcoming That's enough of highness. Though indeed I am our emperor's son, I am no prince. Arcadia's emperor is freely chosen by her people. I am but an elected official and nothing more. I meant no disrespect. Now that I think on it, I would not have you address me as Lord Consul, for that matter. No? Henceforth, I am a citizen of Rabanasta. Why don't you call me Vane? I could not. That would not be right. You are overly fond of formalities. I've just the remedy for that. Tonight you will join me, and we shall drink until you call me by name. How can he stand about him like that? Fawn, you just do not get it, do you? He's not doing it because he wants to. You know what would happen if he didn't. I know, it's just... So, what would you do different? I don't know. Well... I'd do something. C'est bon? C'est bon, je peux parler ou pas? Vaughn, you haven't heard a single word I've said, have you? Toujours pas fini. This place has changed so much. It's like it's not even Rabanaster anymore. Like the Empire is swallowing it whole. Aww. Hey, Pinel, that fate tonight. Pinel. C'est bizarre comment il prononce avec l'accent américain. It's in the palace, and we don't have an invitation. As if I'd know. Why not ask Magello to get you in? Or go see old Dallin in Lowtown? Why the sudden interest, Vaughn? I told you. I'm going to Donc là, si je me rappelle bien, on va s'infiltrer en fait dans le château, on va passer par les égouts. Et on va arriver à un moment où il se passe des choses dans le château et on va rencontrer des gens. Voilà. You know as well as I do the first thing you'd buy is an airship. Donc ça va être sympa. All hail Vaughn, sky pirate of Damasca. It's got a nice ring to it. Stay out of trouble. Quand on regarde leurs vêtements, ils sont quand même habillés bizarrement. Hein. Avec ce genre de graphisme et vu que c'est un Final Fantasy, on se dit « Ah, ça va, c'est normal, ça va. » Mais en fait, quand vous regardez Vaughn, il a un gros pantalon large.
avec des cordes sur le côté. Puis après, il a un petit gilet. Il est torse nu. Penelo. Elle a une combinaison entière avec des trucs qui s'arrêtent au-dessus des cuisses. Mais ça continue sur les côtés. Enfin bref, c'est super étrange. C'est Final Fantasy. Alors. Du coup, je crois qu'il va falloir aller parler à des gens. Pour après aller dans les quartiers bas, donc dans les égouts, si je me rappelle bien. Je sais pas s'il y a des trucs à faire ici, je pense pas. Après, si je me rappelle, il n'y a pas énormément de conversations à avoir avec les gens dans ce Final Fantasy. Pas trop en tout cas, on va dire que entre le gameplay et tout ça, même l'histoire et les quêtes, elles sont plus ancrées, enfin portées sur l'action. C'est-à-dire que quand c'est des quêtes, c'est souvent des combats. C'est pas genre parler à 50 personnes et tout ça, etc. C'est souvent juste combattre, tout simplement en fait. On va voir un peu les magasins. On peut acheter des armes, mais il peut rien équiper. On a les affaires. Ah oui, je crois que plus on vend des choses, parce que on va récupérer des objets, on va même devoir farmer des fois des objets. Et les objets qu'on vend, ça va des fois faire apparaître des affaires. Et des affaires, ce sont des objets plus ou moins uniques qu'on peut acheter à bas prix. Bon, des fois, c'est genre des potions bas prix. Mais des fois, ce sont des objets uniques. Donc, c'est important. Là, on a des balles et des flèches, des colliers et des potions. Donc, des fois, par exemple, il faut tuer un monstre qui va nous dropper un objet spécial. Et on va devoir le vendre, cet objet spécial. Ça va déjà nous récupérer des guilds, de l'argent. Mais ça va faire apparaître dans les affaires un objet encore plus spécial. Voilà. Si vous avez compris. Là, on a des armures. Et après aussi, en magasin, donc armure, arme, objet classique. Et après, on va avoir magasin des gambits, parce que les gambits aussi, il va falloir les acheter. Magasin d'accessoires. Magasin de magie. Donc là, je crois que c'est magie. Ouais. Aussi, le jeu a une sauvegarde automatique. Vous voyez en haut à gauche à chaque fois quand ça clignote. Donc il y a deux types de sauvegarde. Sauvegarde automatique et sauvegarde manuelle. C'est sympa. Sympathique. Dans un vieux Final Fantasy, ça fait bizarre de voir des sauvegardes automatiques. Ça fait trop trop étrange. Voilà. Par exemple, acuité, ça, c'est habilité. Ça, c'est magasin d'habilité. Pour l'instant, je crois qu'on n'a pas le magasin de gambit. Parce que les gambits, en fait, on les a pas activés. Je crois qu'on va on va découvrir comment ça marche dans les sous-sols, si je me rappelle bien. Alors il y a ça, rang 1, contrat disponible. Ok. Alors quand faut prendre des quêtes, il faut prendre des quêtes et parler aux gens après qui donnent cette quête. Bon, par contre, à chaque fois, c'est moi je lutte pour trouver la personne qui vend. Ah oui, on a le bestiaire aussi, classique. Liste de contrats. Annonce relative à malin le client Gatsley et à la taverne. Je sais pas si ça va nous donner le nom. Ouais, ça va nous donner le nom sûrement. Ah, il est là. Voilà, donc faut prendre le contrat. En gros, c'est comme si vous preniez la feuille et vous alliez voir, vous alliez parler à la personne qui a mis cette feuille et vous lui demandez est-ce que ça marche toujours et tout ça. Ok, ça va, j'y vais quoi. En gros, faut le voir comme ça parce que ça fait un peu bizarre, genre d'accepter la quête puis après aller parler à la personne pour encore l'accepter. Ça fait étrange quand on y pense. Mais bon,
Voilà, faut la voir comme si vous preniez la l'affiche et allez parler d'abord à la personne pour activer la quête. Alors je crois que la chasse elle est à l'extérieur, mais on n'a pas vraiment besoin de la faire. Et là on est dessous. Alors je crois que c'est là, c'est par là, c'est dans cette zone où c'est qu'il y a un objet qu'il faut surtout pas récupérer si vous voulez avoir l'arme la plus puissante du jeu à un moment du jeu. Voilà. Après, vous avez toujours une autre possibilité de la récupérer, cette arme. Mais je crois qu'il faut la drop et c'est super, super, super rare. Donc on va se concentrer juste sur la mission. Puis de toute façon, on pourra toujours y revenir. Les musiques sont cool. Ah oui, j'ai mis les musiques parce qu'il y a trois différents types de musiques. Dans la version remaster. Il y a les premières musiques du jeu quand il est sorti à la base. Après, il y a des musiques refaites. Et après, il y a une bande son originale. Enfin, il y a trois trucs différents. Moi, j'ai mis les musiques refaites. Remasterisées. They've got to have some great stuff in there. Thought I'd partake. Not one to mince words, are you, boy? The Empire protects all that's hers, and that means the palace and all the treasures inside. That's why I'm gonna do it. To take back what's ours. So, our champion of the sewers aspires to noble action. Admirable. Perhaps I can help you. Ah, now that I think on it, there was a rumor. Yes, a secret passageway into the palace walls, a door, and a magic stone that opens the way. That's it. This is exactly why I came to talk to you first, Alan. So, where's this, magic stone? Oh, I've had it for years, if I can remember where I've tucked it away. J'avais oublié. Donc faut aller récupérer un truc. Bref. Désolé, je fais pas vraiment attention aux cinématiques. Ah, elle va venir avec nous, je crois, non? Pénélo après. Faut aller dans les plaines de Giga, donc bah du coup on a récupéré la chasse. Eh ben on va le faire quoi. Après quand je disais bon il faut un guide et tout ça, c'est vrai que dans beaucoup de Final Fantasy, surtout les anciens, un guide c'est mieux parce qu'il y a tellement de secrets et tout ça. Celui-là c'était un des nouveaux, un des récents, genre à partir de Final Fantasy X. Il n'y avait plus trop de gros secrets. En fait, vous pouviez vraiment tout récupérer sans guide. Hein. Il n'y avait pas trop de problèmes. En tout cas, il faut retourner dans les terres Giga. Je crois. Je vais peut-être mettre la vitesse 4. C'est con qu'on n'ait pas les deux, en fait. Genre normal, 2 et 4. Au lieu d'avoir normal et après une. Attends, c'est par où? Par là? On va voir. Voilà, c'est parti! Je sais même plus si c'est là en fait. Enfin, de toute façon, on tuera des trucs, c'est cool.
Avec la vitesse accélérée. Yeah! Ha! Dans les plaines comme ça, il y a des objets à récupérer. Ah oui, par contre, lui, je crois qu'il est, il est trop haut niveau, lui. On va se casser. Pierre d'air. Je crois qu'on peut descendre et aller sur les côtés. Ouh, la vache. Je crois qu'aussi que les dinosaures, ils peuvent... Enfin non, les monstres, ils peuvent monter de niveau. Je crois que je me rappelle avoir vu genre le T-Rex tuer un chien et il a monté de niveau. C'était très bizarre. Mais je crois que c'est possible. Ah, là, on a trouvé un petit village. Pour info, c'est pas du tout là où il faut aller. Hein. C'est pas du tout là, mais on visite. Ah. Yes! Il faut que j'aille au village des plaines de Giza. Je suis peut-être sur la bonne route en fait. Possiblement sur la bonne route. Alors après, il y a les attaques x2, des fois ils tapent deux fois, voilà, comme là par exemple, deux coups. C'est lié, je crois, à la dextérité ou un truc comme ça. Genre, ils ont plus de chances de faire deux coups, des fois quatre coups, etc. C'est lié à une stat. On verra ça plus tard. Après, il y a des objets aussi qui augmentent, genre le taux de chance. On est au faubourg. C'est un marchand. Alors la différence entre les cristaux, je crois qu'il y en a qui peuvent téléporter. Ouais. Les jaunes, ils peuvent téléporter. Enfin, les jaunes oranges là. Ils peuvent téléporter, mais les bleus, non. Les bleus servent juste à sauvegarder. Donc on est là. Marchand de magie. Le truc qu'on va faire, c'est acheter des potions si jamais on a l'opportunité. Ah, ça c'est ça, le marchand de gambits. Mais pour l'instant, on peut pas. Comme j'ai dit, on n'a pas débloqué les gambits. Alors, armure, armes. J'ai rien à foutre ici, en fait. J'ai vraiment rien à foutre ici.
J'ai envie de mettre vitesse x4. On va test. Toi, donne des potions. Ou pas. Par contre, on va pas faire vitesse x4 quand on est dans des petits endroits, hein, putain. C'est la merde. Ça va super vite. Oh la vache. C'est abusé. Mais c'est drôle. Et je sais pas où je suis. Bah on est exactement à l'endroit où c'est que on voulait aller. C'est parfait. Oh merde. Oh putain. Ok. Non. Pas vitesse x4. C'est trop. C'est grave trop. Va falloir qu'on se fasse soigner à un moment. Je sais pas comment, mais... Il va falloir se débrouiller. Ah oui, il y a un truc, il y a une histoire avec les cristaux, on va devoir... devoir se débrouiller après. On va avoir une quête avec ça. Ah oui, des fois on va trouver des gens et ils vont nous buff. Ça c'est plutôt cool, ça donne un peu vie en fait. Ou alors nous soigner, ça donne un peu vie au monde, ça c'est sympa, moi j'aime bien. Ah, par où on passe à gauche. J'aurais bien voulu un régène. Lui, on va essayer de l'éviter par contre. Ça, c'est la merde. Il est un peu légèrement méchant. Ok, on est bon. Ah oui, eux aussi, ils sont chiants. Tout le monde est chiant, en fait. Ah, ça y en est. J'ai toujours pas choisi encore quel job je vais prendre. Donc on va voir ça après, plus tard. Je sais pas à qui on doit parler. Toi, Mashua. Ah oui, la pierre là qui nous a dit de récupérer, en fait, il va falloir la buffer, la pierre ou un truc comme ça. What are you doing here? I could ask you the same, though the answer is pretty clear. No good. What? I'm being good. Is that right? So then you wouldn't mind if I say tagged along, would you? Huh? Oh, don't worry. Magello's busy with preparations for the fade up at the palace. Why, I'm free for the whole day. Well, let's get going. Et voilà. Maintenant on a Penelo. Penelo a une dague, un chapeau, ils sont pareils plus ou moins. Je sais pas ce qu'elle a, elle. Pff, je m'en rappelle plus. Après, je crois qu'il y a. Bon, ça c'est pour check les états.
Mais on peut donner le leader à quelqu'un, si je me rappelle. Ok, on peut check les gens comme ça aussi. Je crois que ça se fait en dehors du village, peut-être, le leader. On peut prendre une épée large. Ah, mais non, mais il n'y a personne qui peut l'équiper. Pour l'instant, ils peuvent que équiper dague. Ah, elle peut équiper chemise, mais elle a déjà une. Ah, 10 potions. Vu qu'on rush un peu, on prend des potions avec nous. On va aller par là. Je voudrais te donner quelque chose avant qu'on parte. Ah, potions et des queues de phénix. Ah, voilà, c'est bon. C'est bon. On a débloqué Gambit, on a débloqué Leader, etc. Jean au sud du village, d'accord. Donc là, on peut choisir qui on contrôle, je crois. Voilà, donc là, je peux contrôler elle. Après, je peux contrôler lui. Voilà. Et le gros G, pardon, si je mets pause. Le gros G, ça veut dire que son Gambit est activé. Et si je crois bien, on peut... On peut désactiver son Gambit comme ça. Ah ouais, d'accord, il faut le faire comme ça en fait. Et là, on peut choisir les personnages sans switcher en fait de personnage, mais on peut choisir quoi faire. Et là, on peut leur dire de Gambit oui ou non. Voilà. Bon, vu qu'on va jouer Van, on va pas mettre son Gambit. Et pour l'instant, non, pour l'instant, on n'a pas le système de Gambit encore. Mais elle, il est mis parce qu'elle attaquera automatiquement en gros. Elle est en auto-attaque, voilà, c'est tout. Elle est tout simplement en auto-attaque. Bon, ben on y va. Pour le moment, on peut rien choisir. Parce que c'est simplement de l'auto-attaque qu'elle a. Et je peux mettre Gambit sur lui aussi, comme ça. Ouais, comme ça, en fait, il attaquera automatiquement. Si je l'utilise, elle, à la place, il attaquera automatiquement. Par contre, on va pas se taper ces trucs, parce qu'ils sont chiants. On doit aller au sud, donc faut descendre. En haut à droite sur la carte, on voit nord. Je crois que eux, si on leur donne des potions, ils nous donnent des trucs, non? Non, non, non! Oh, wow, ok. Oh. Ah, bizarre. Ils étaient pas agressifs parce qu'ils étaient verts. Mais apparemment, ils sont devenus agressifs quand j'ai donné les potions. Je pensais qu'il y avait un truc à faire avec eux. Apparemment non. Il y a des hommes lézards là. Oh, pas toi. Il y a un truc à faire ou pas maintenant? Ouais, cristal noir. Juste à le check, ça marche. On a la recherche de Jean. Il est derrière, ok. Voilà. On devrait le trouver, voilà.
La pierre de l'éclipse, il faut l'utiliser sur les rochers qui sont lumineux, comme ça là. Ce qui est pas mal aussi dans le jeu, c'est que même si vous zappez un peu l'histoire, comme ce que je fais, bon, parce que bon, je la connais, ça vous dit toujours ce qu'il faut faire. Genre, vous mettez la carte et en bas, il y a écrit « Je dois faire le tour machin des cristaux ». Donc c'est assez simple, c'est bien. Vous êtes jamais vraiment perdu dans le jeu. Plutôt cool. Il y a quand même des FF des fois où c'est que vous perdez facilement. Là, non. Et c'est bien, c'est qu'on les voit de loin, donc on sait plus ou moins où ils sont les cristaux, c'est cool. C'est marrant. Alors qu'on n'est pas dans la zone, vous voyez ce que je veux dire? Sympa. C'est bien fait. Enfin, pour l'époque, faut se rappeler que c'était sorti sur PS2. Hein. Ça, c'est fait. Par exemple, il y en a un là-bas, donc on va dans cette direction. On a même deux. Oh la vache. Oh merde. Ça va, il nous a laissé tranquille l'autre. Faut que j'augmente un peu la vitesse du joystick. Attendez, on va... est-ce qu'on peut déjà? Sensibilité, souris... Ah, je crois que je l'ai dans les fesses. Modifier paramètres. Obtenir un maximum de PL, un maximum de GIL. C'est quoi ça? Ah, tu vas pas me dire qu'ils ont rajouté des trucs trichés? Je sais que dans FF7, si vous le prenez sur Steam, il y a des options de triche qui sont directement incluses dans le jeu, en fait. Je vais voir ce que c'est. Cette opération est irréversible. Souhaitez-vous vraiment utiliser cette fonction? Oh, la vache, ouais. On a... Oh putain. Oh la vache. Ok. On va pas le faire. On va retour au menu. Du coup, non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter ici. Comme ça, je rechargerai la partie. On va pas sauvegarder parce que je veux pas jouer avec truc infini et tout, c'est con. Mais ce qu'on va regarder vite fait, c'est les permis. Alors je vais pas les faire maintenant, mais... Enfin, je vais pas sauvegarder en tout cas. Donc on a mage blanc, donc bon... on connaît comment ça marche, mage blanc. Shikari, c'est quoi? Chasseur, traversement, rivière pour obtenir les proies en battant des agilités à dextérité. Donc agilité, dextérité, arme, dague. Technique, premier soin, ça on s'en fout. Et autres. Donc voilà, c'est surtout c'est une sorte de voleur. Je crois... Est-ce qu'il y a voleur? Archer, ravageur... Chronomancien, moine, chevalier, maître d'ast, il n'y a pas. Donc Shikari, peut-être que ça serait pas mal pour Van. On a Bushi, donc c'est une sorte de samouraï, parce qu'il utilise les katanas. Après on a mage noir, on a archer avec les arcs. On a ravageur, qui utilise marteau et hache, donc ça c'est plutôt une grosse brute on va dire, hein, en gros. Il utilise des attaques puissantes pour briser d'un coup ses adversaires. On a chronomancien, mage guerrier armé d'arbalète et capable de manipuler le temps et l'espace. C'est pas mal. On a moine, donc ça c'est à main nue ou au bâton. Ça moine, j'aime pas. On a le chevalier à l'épée, des grosses armures je crois. Épée et bouclier protège par un robuste équipement. Donc voilà, des grosses armures. On a mage lame rouge, mage guerrier polyvalent maniant la masse et capable d'utiliser des sorts variés. Ok. Donc il a des sorts de magie noire, magie blanche, magie arcane, et il doit sûrement utiliser aussi les épées, voilà, donc c'est un peu, c'est mage guerrier. Machiniste, fusil et autres,
capacité offensive ne laissant jamais échapper sa proie. Machiniste, je crois que c'est, ça serait bien pour Baltur plus tard. Ah, c'est les lances. Ouais, c'est lance et armes d'ast. Capable d'esquiver, transpercer l'armure, ça j'aime pas. Donc voilà. Ça va être très limité quand même, hein, ça va être très très limité. On aura, pour moi dans mon équipe, je pense qu'on aura un chevalier. Un mage blanc ou alors un mage rouge, on verra pour le soin. Ouais. Van, en tout cas, on lui mettra Bushy, je crois. Fais voir un peu. De toute façon, je vais pas sauvegarder, hein, mais... Ah non, 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 Bushy, non, Bushy, c'était Shikari que je voulais dire. Bah tant mieux, vu qu'on... Enfin, tant mieux qu'on sauvegarde pas. Donc voilà, maintenant, lui, par exemple, c'est un Bushy. Voilà, il y a écrit Bushy. Et on peut débloquer les trucs liés au Bushy. Genre, voilà, ça marche comme ça. Putain, et on a, on a 99 000 PP, c'est débile. C'est débile. On peut tout débloquer dès le... C'est quoi le but du jeu, quoi? C'est pas drôle. Ah. Enfin voilà, on peut faire ça, quoi. Et on voit le permis qui évolue. Et je crois qu'on peut avoir le même job sur la même personne, ouais. Ouais, on peut tous les mettre sur le même job aussi, si on veut. Ce serait débile, ce serait une perte de job, mais voilà. Et on peut pas revenir, quoi. Ouais, on peut pas revenir, on peut pas rechoisir le job. Bon, on va s'arrêter là. Merci d'avoir regardé. Et à la prochaine. Salut, ciao.